Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent. Manchester United, ils ont gagné face à Tottenham. La vérité, c'est que pour moi, en fait, Tottenham, franchement, cette saison, moi, ils m'ont pas convaincu. Parce que Tottenham, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de fond de jeu, en fait. C'est un peu comme Manchester United, d'ailleurs. Depuis que Ole Gunnar Solskjaer est à la tête de Manchester United depuis 3 ans, là, honnêtement, il n'y a pas de fond de jeu, je comprends pas. Alors qu'ils ont un effectif XXL, en fait, c'est l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Là, Tottenham, en fait, honnêtement, je comprends pas, moi. Défensivement, ils sont nuls. Offensivement, ils sont nuls aussi. C'est quoi ce délire, là? Tu peux pas. Moi, je comprends pas. Comment, en fait, tu peux jouer un match de football, t'es nul dans tous les domaines. C'est incompréhensible. Tu vois? Moi, j'arrive pas à comprendre. Comme je l'ai dit, normalement, en fait, quand t'es nul en défense, en attaque, tu dois être bon. Sauf que là, sur le match, là, quand tu regardes, déjà, quand tu regardes le but de Cavani, là, franchement, Fernandez, il arrive, il récupère le ballon, tu vois, tranquille. Enfin, le défenseur, en fait, franchement, il a été à la rue. Laisse tomber, il se laisse faire. Je comprends pas, il n'a pas le droit, en fait, tu vois, de perdre le ballon comme ça, dans ces conditions. En plus, CR7, il est là, il s'est amusé, tu vois, il fait un dribble, en fait, tu vois, derrière le pied d'appui, il fait la passe à Cavani, il l'a fini tranquillement, tu vois. Là, honnêtement, moi, je suis déçu parce que Tottenham, en fait, ils nous ont habitués à mieux, tu vois. Et depuis que, comme j'ai dit, le nouvel entraîneur, enfin, Nuno Espirito Santo, là, honnêtement, c'est n'importe quoi, c'est le néant total, en fait, tu vois. Même Harry Kane, il est perdu, on dirait, il était pas dans le match, en fait. Honnêtement, quand tu regardes Harry Kane, en fait, moi, je l'ai vu vers la fin, même il a eu une action encore, il a mal fait la passe, il a pas bien fait. Sinon, Harry Kane, en fait, il est absent, il est depuis le début de la saison. C'est incroyable, en fait, tu vois. C'est pour ça, faut jamais retenir un joueur contre son gré. Quand tu regardes aujourd'hui, en fait, Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, à chaque fois, en fait, le mec, en gros, on dit que c'est son dernier match. Après, s'il gagne pas, c'est comme si on lui, tu vois, mettait des ultimatums, en fait. S'il gagne pas ce match-là, il va te limoger. Là, c'est comme ça depuis 3 ans. Moi, je comprends pas, moi. Tu vois? Et ce soir, honnêtement, Manchester, ils ont bien joué, mais c'est normal aussi parce que je vais pas dire que c'est normal parce que honnêtement, Tottenham, ils ont rien proposé aussi, tu vois. Donc voilà, tu peux pas vérifier le niveau de Manchester sur ce match-là. On verra le match contre l'Atalanta ce qu'il va donner. Parce que ce soir, comme je l'ai dit, ils ont été nuls offensivement en Tottenham. Défensivement, pareil, ils se sont fait dominer, laisse tomber. Franchement, Cristiano Ronaldo, voilà, faut le saluer. C'est un top player, il est incroyable. Depuis pendant presque 15-16 ans, il est au top en fait de sa forme. Tu vois, faut le respecter ce mec-là. Il a 36 ans, mais là c'est incroyable ce qu'il a fait sur le but là. Regardez la passe magnifique de Bruno Fernandes en fait. Tu vois, sans contrôle, bim, magnifique. Honnêtement, CR7, ça force le respect. Tu vois, c'est pour ça y a des gens ils comparent Messi et CR7. En fait, c'est pas à comparer, c'est deux extraterrestres. Tu vois, même si moi, tu vois, la Pulga pour moi c'est voilà. C'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu sur un terrain de football. Il est incroyable, tu vois. C'est le meilleur de tous les temps, peut-être. Mais Cristiano Ronaldo, franchement, il est incroyable. Laisse tomber, tu peux que le respecter, en fait. Tu respecter sa carrière. Il est encore au top, il a 36 ans, frère. Il tape des accélérations. Même, il est impliqué sur le début de son équipe, tu vois. Il fait un crochet là-bas, le défenseur, frère. Il va chercher une canette. Il s'est endormi, on dirait, sur le coup. Il a crié, il était sur son lit. Laisse tomber, franchement, CR7. Voilà quoi, il a fait son match comme d'habitude, il donne le meilleur de lui-même en fait, tu vois, il travaille en plus, tu vois, c'est un exemple, il a donné la voix à son équipe, tu vois, et comme je l'ai dit, Manchester United, honnêtement, ils ont maîtrisé ce match-là du doigt à Z, même quand tu regardes, Wan-Bissaka, il était incroyable en fait, d'habitude, tu vois, il fait des matchs moyens, aujourd'hui, il a été sur tous les bons coups, et franchement, Fernandez, il a été au top, quand tu regardes Cavani aussi, bah, il défend bien, voilà, c'est dans ses gènes, on va dire. Et derrière Varane, franchement, il rassure. Quand t'as Varane, je pense que ça rassure un peu. Même s'il fait un début de saison qui est un peu difficile par rapport à d'habitude, c'est un peu normal. Il vient d'arriver dans un nouveau club et c'est pas possible d'être, tu vois, au top à 100%. C'est pas possible, tu vois. C'est humain. Et voilà quoi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Manchester United, il mérite de gagner. Rashford, il est rentré, il a marqué. Là, laisse tomber, l'efficacité est incroyable. Hein. Et comme je l'ai dit, on verra face à l'Atalanta. Mais franchement, aujourd'hui, Manchester United, voilà, ils méritent de gagner, il n'y a rien à dire. Donc voilà, parce qu'ils ont dominé le match, en fait, tu vois. Pour une fois, je vois Manchester jouer, tu vois, dominer les débats, parce que Manchester, en fait, ils n'ont pas de fond de jeu, comme j'ai dit, ils ont un effectif de ouf, mais frère, on a envie de se régaler, nous, tu vois, le football, c'est se régaler. Et là, voilà, quoi, ce soir, bah, ils reviennent à la cinquième place, en fait, ils ont le même nombre de points qu'Arsenal, en fait, qui a gagné sur le terrain de Leicester, faut le souligner aussi.
Arsenal aussi, franchement, ils ont fait un mauvais départ au début de la saison. Ils ont perdu leurs trois premiers matchs, mais là, honnêtement, ils sont cinquièmes avec 17 points. Donc voilà, quoi, ils gagnent, hein, même si c'était un peu difficile face à Tottenham, en fait, aujourd'hui, là, surtout en fin de match. Donc voilà. Et honnêtement, en fait, la seule action dont je me souviens de Tottenham sur ce match-là, c'était la frappe de Son, en fait. Encore, c'est De Gea qui manque son dégagement, tu vois. Donc ils ont récupéré le ballon. Sauf que ça n'a pas été cadré. C'est le seul, comment dire, la seule occasion dont je me souviens, en fait, de la part de Tottenham. C'est incroyable, c'est aberrant de voir de l'équipe comme ça, enfin, alors qu'ils ont des joueurs de ouf, en fait, tu vois. Voilà, quoi. Et comme je l'ai dit, la Premier League, c'est serré comme jamais, en fait, faut dire la vérité. Liverpool, ils menaient 2-0 et ils se font rejoindre au score, en fait, tu vois, par Brighton, c'est incroyable. Et comme je l'ai dit, un match de foot, c'est jamais terminé tant que l'arbitre, il n'a pas sifflé. Franchement, la Premier League, c'est serré comme neve. Et Chelsea, ils sont premiers. Donc voilà, à l'extérieur encore, ils gagnent 3-0. Et franchement, c'est serré. C'est un championnat qui est très, 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 très beau à voir, en fait, tu vois. Et honnêtement, Manchester United, il mérite de gagner. Donc voilà, CR7, il est encore au top, hein, 4 buts en 7 matchs. Donc voilà, malgré son âge, il est toujours présent, comme je l'ai dit. Et voilà, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, l'équipe. À bientôt pour...